4 astuces pour dormir comme un bébé. Quand tu ne dors pas assez, ça y est, les gens semblent extrêmement agacés. Le travail est fatigant et le futur semble peu intéressant. Beaucoup de stress, de l'hypodynamie, des heures passées au volant ou devant l'ordinateur. Tout cela fait que les muscles de notre dos se crispent et nous empêchent de nous détendre avant de dormir. C'est pourquoi nous tournons et virons pendant des heures avant d'obtenir un sommeil mauvais et troublé. Le problème est réglé. Voici plusieurs astuces simples et efficaces pour soulager les muscles du dos afin de s'endormir plus vite. Tu peux les faire directement sur le lit et elles sont adaptées à tout type de personnes, peu importe leur niveau de fitness. Rappelle-toi que tu dois faire ces 4 exercices afin de dormir à point fermé. 1. Libération des vents. Pawan Muktasana, ou libération des vents, soulage la colonne entière, surtout le bas du dos et les hanches en 1 minute. De plus, cette position de yoga régule le travail de l'intestin, comme tu peux le deviner par son nom. Par conséquent, il est préférable de le faire le matin. Comment le faire? Allonge-toi sur le dos et détends-toi. Plie tes genoux, tends tes mains vers l'avant en inhalant et enroule tes genoux avec. En exhalant, tiens tes genoux en les pressant contre ton estomac. Respire profondément en te concentrant sur le travail de ton diaphragme. En inhalant, tes jambes s'éloignent de ton torse et en exhalant, elles s'en approchent. Garde cette position pour 8 à 10 respirations, environ 1 minute. 2. Pieds sur le mur. Cette position détend les jambes et le dos. Ouvre le torse et permet aux poumons d'être remplis d'oxygène avant d'aller au lit. Comment le faire? Place un coussin plié à côté du mur ou au bout du lit. Allonge-toi dessus et presse tes fesses contre le mur ou au bout du lit. Lève tes pieds contre le mur. Ouvre tes bras sur les côtés et essaie d'ouvrir ton torse. Détends-toi et respire calmement. Reste dans cette position pendant 1 à 2 minutes, puis baisse les jambes. 3. Exercice de la vague. L'exercice de la vague te permet de détendre ton dos. Il permet d'atteindre les muscles profonds de la colonne, situés en dessous de la première couche de muscles. L'exercice est composé en 2 étapes. Étape 1. Allonge-toi sur le dos et place des petites serviettes roulées sous ta taille et ton cou. Bouge tes pieds d'un côté à l'autre en restant le plus détendu possible. En même temps, secoue ta tête d'un côté à l'autre sans forcer sur ton cou et sur ton dos. Les mouvements peuvent suivre la même direction ou une direction opposée, tout dépend de tes préférences. Essaie de complètement te détendre et ressens la vague de vibrations le long de ta colonne. Fais le mouvement pendant 1 minute. Étape numéro 2. Allonge-toi sur le lit sur le ventre, les bras sur les côtés et les orteils détendus. Mets un coussin ou une serviette sur ton front. Secoue tes pieds d'un côté à l'autre et ressens comment la vague se transmet dans ton corps détendu. Fais le mouvement pendant 1 minute. 4. Shavasana. Si tu fais cet exercice correctement avant d'aller au lit, il te sera très facile de t'endormir. Comment le faire? Couche-toi sur le dos et ouvre légèrement tes jambes. Place tes mains avec les paumes vers le haut. Mets une serviette pliée ou le coin d'un coussin sous ta tête et ton cou. Détends progressivement ton corps du bas vers le haut en commençant par tes orteils et en terminant par le haut de la tête. Fais 20 cycles respiratoires en prolongeant progressivement les inhalations et les exhalations. Puis, arrête de contrôler ta respiration. Respire comme tu le souhaites. Regarde tes pensées flotter autour de toi, mais n'essaie pas de te concentrer dessus. Tu verras comment le monde s'efface et ton corps entier sera détendu. C'est le moment de te mettre sous ta couverture et d'aller au lit. Connais-tu d'autres astuces pour s'endormir plus vite? Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner afin de faire partie de la communauté sympa.